La ville où vit Mathilde est construite sur un plan semblable au repère ci-dessous. Elle prend son vélo pour aller de chez elle, le point moins 3, 4, à l'épicerie, au point moins 3, moins 7. On nous demande de représenter ces deux points sur le repère ci-dessous et de trouver la distance que Mathilde va parcourir. Donc on nous dit ici que Mathilde, la maison de Mathilde, se trouve au point moins 3, 4. On va d'abord essayer de placer ce point, qu'on va par exemple appeler M pour maison. Où est-ce que tu le mettrais ce point? N'hésite surtout pas à mettre pause sur la vidéo pour chercher par toi-même. Alors on nous dit que c'est le point de coordonnées cartésiennes moins 3, 4. Moins 3, ça veut dire que sur l'axe des X, on se trouve à moins 3, donc ici. Et 4, ça veut dire qu'on se trouve sur l'ordonnée, donc en verticale de cet axe-là, sur la coordonnée 4. Donc on va les compter, une graduation, 2, 3 et 4. Ici, on peut placer le point M qui correspond à la maison de Mathilde. Maintenant, on va placer le point qui correspond à l'épicerie, qui est la destination où Mathilde veut se rendre. Donc l'épicerie se trouve au point moins 3, moins 7. Où est-ce que tu placerais ce point? Bien, moins 3, c'est ici sur l'axe des X, et moins 7, ça se trouve, alors 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6 et moins 7. Moins 7 se trouve ici. Donc le point qu'on peut par exemple appeler E pour épicerie, ce point-là a pour coordonnées moins 3, moins 7. Et on aimerait savoir quelle est la distance que va parcourir Mathilde. Si par exemple on se dit qu'une graduation ici, qui correspond à deux carreaux, que cette distance-là correspond à 1 mètre. Quelle est la distance que va parcourir Mathilde? Eh bien, ce qu'on peut faire, une première façon de faire, c'est de partir du point M et de compter le nombre de graduations, le nombre de mètres en fait, entre M et E. C'est ce qu'on va faire tout d'abord. Alors, il y a une graduation, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Il y a 11 graduations. Donc la réponse, ça va être 11 mètres, puisqu'une graduation correspond à 1 mètre. Il y a une autre façon de faire, c'est de remarquer que les points M et E ont la même coordonnée en X. X est égal à moins 3 pour le point M et X est aussi égal à moins 3 pour le point E. Donc ça veut dire que la seule différence entre ces deux points, c'est leur coordonnée sur l'axe des Y, l'axe des ordonnées. Donc on peut se dire que pour trouver la distance, il suffit de faire la différence entre l'ordonnée du point M et l'ordonnée du point E. Donc si on note par exemple Y, M, l'ordonnée du point M et Y, E, l'ordonnée du point E, on trouve la distance en faisant Y, M moins Y, E. Et ça c'est égal à quoi? Pardon? C'est égal à quoi? Eh bien c'est égal à moins, ah pardon, à 4 moins moins 7. Donc c'est égal à 4 moins moins 7. Et 4 moins moins 7, c'est égal à quoi? 4 moins moins 7, c'est égal à 4 plus 7. 4 plus 7, c'est égal à 11. On retrouve bien ce qu'on trouvait ici. La distance entre la maison et l'épicerie est de 11 mètres. On va s'entraîner avec un deuxième problème. On nous dit ici que les villes A et B sont reliées par une ligne de train. C'est cette ligne bleue ici. On a la ville A, la ville B et on a la ligne de train en bleu. On nous dit aussi qu'une station S se trouve entre ces deux villes, au point de coordonnées moins 1, 3. La station S est ici et effectivement, elle a bien pour coordonnées moins 1 en X et 3, pardon, sur l'axe des Y. Et on nous demande quelle est la ville la plus proche de la station S. Ici, on nous demande quelle est la ville la plus proche sur la ligne de train. Donc en fait, on ne nous demande pas de regarder à vol d'oiseau entre A et B, en prenant la plus petite distance, quelle est la ville qui se trouve la plus proche de la station. On nous demande de regarder sur la ligne de train, quelle est la ville qui est la plus proche. Bien, une première façon de faire, c'est de se dire qu'on va compter la distance pour chacune de ces villes par rapport à la station. On va commencer par la ville A. Donc on va chercher la distance pour la ville A. Ici, on va dire que, en fait, on a des graduations qui correspondent à chaque carreau ici. On va dire que chaque carreau correspond à 1 mètre. Et on va compter
cette distance sur la ligne. Alors, pour aller de ce point-là, le point A, à la station, il faut d'abord que je fasse ça, puis ça. Donc, on va déjà compter cette distance-là. Ça fait 1 mètre, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, il faut que je descende sur le plan pour arriver à la station S. Donc, on a 6 graduations vers la droite. Donc 6 graduations vers la droite et combien de graduations vers le bas? 1, 2, 3, 4, 5 graduations vers le bas. Donc ça veut dire qu'en tout j'ai parcouru 6 plus 5 mètres. 6 plus 5 ça fait combien? 6 plus 5 ça fait 11. Donc on a parcouru 11 mètres entre A et S. On va compter combien il y a de mètres entre B et S maintenant. Pour aller de B à S, il faut que je parcours 1 mètre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mètres vers la gauche. Et ensuite, il faut que je monte de combien de mètres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 mètres vers le haut. Donc la distance, c'est 11 plus 6. Et 11 plus 6, ça fait combien? C'est bien ça, ça fait 17 mètres. Donc la station, la ville qui se trouve la plus proche de la station S, c'est la ville A, puisqu'elle se situe à 11 mètres, alors que la ville B se situe à 17 mètres. Une autre façon de faire, ça aurait été de regarder les coordonnées et de faire des calculs. Parce que tu vois ici, on a la coordonnée de la station, et on peut retrouver les coordonnées de la ville A et de la ville B. La ville A, quelles sont ses coordonnées cartésiennes? Bien sur l'axe des X, sa coordonnée c'est moins 7. Et sur l'axe des Y, sa coordonnée, c'est 8. Donc ce qu'on peut faire, c'est comparer ces coordonnées à celles de la station S et ainsi trouver la distance entre A et S. On va regarder comment on verra comment procéder de cette façon-là dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, on va s'arrêter sur ce résultat-là et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!